Non, ça n'a pas besoin de toi parce qu'il y a 2 ans, je me suis fracturé la malléole externe spiroïde. C'est-à-dire le petit os qui est là. Vous voyez, monsieur. Alors c'est un tout petit os, mais quand vous le fracturez, ça fait très très mal. Et moi, je fais ça le 1er juillet, la veille du Festival d'Avignon. Vous connaissez le Festival d'Avignon? Festival d'Avignon, plus grand festival de théâtre au monde, 24 jours, 24 représentations affilées. Eh bien, moi, il y a 2 ans, je l'ai fait avec un plâtre de là jusque là. J'avais l'impression que j'avais la moitié du Vaucluse dans ma jambe. Et donc, pendant 6 semaines, je portais un plâtre, et pendant 4 semaines, je fais la réplication. Puis je me dis, mais maintenant, tu partais en vacances parce que moi, tu étais au Festival d'Avignon et après, tu vas faire. Donc, je partais en vacances, je vais ralentir, hein. C'est juste pour planter le décor. Donc, tu partais en vacances aux États-Unis, j'avais une amie qui faisait Boston à 20 ans, enfin, 20 ans, tu refais. Bref, au bout de 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis retombé. On est content. Et je me suis fracturé le 5e métatarse, celui-là. Et le médecin a dit, mais c'est super. Parce que ça veut dire que si vous vous fracturez celui-là, c'est que le premier il est réparé. On est content, c'est quel le suivant. Bref, tout ça pour répondre à la question que tout le monde se pose. Comment est-ce qu'une fille aussi canon peut avoir des chaussures aussi moches? Voilà, en fait, c'est à cause de mes fractures, maintenant je vais porter des chaussures avec un déroulé. Mais enfin, maintenant, qu'est-ce que c'est des chaussures avec un déroulé? Eh bien, c'est ça, c'est quand la semelle elle est plus épaisse au niveau du talon, puis qu'elle va être plus en plus fine. Ça permet aux pieds de faire le mouvement. On est content! Bon, tu veux que tu te présentes? Non, je ne me suis pas présentée. Donc, je m'appelle Manon Le Pomme, je suis belge, je précise, au cas où il y aura un doute. Visiblement, il n'y a pas de doute. Bon, en tout cas, je suis ravie parce que moi, j'ai jamais failli arriver parce que moi, j'habite en Belgique, j'habite à Liège. Enfin, quelqu'un connaît? Oui! C'est pas vrai! Vous êtes de Liège? Non, vous êtes déjà venu à Liège! Quoi faire? Vous venez du Nord? Ah d'accord, très bien. Voilà, super, on s'en fout. Alors, donc moi j'habite à Liège, c'est à 100 km de Bruxelles, et donc je suis venu en train, et donc moi j'habite à Liège, mais j'habite vraiment à côté de la gare, hein, donc il y a 5 minutes à pied. Non, pas plutôt 10 minutes parce que j'avais des bagages, pas mal. Donc j'ai pris le train à Liège, j'ai pris plus ou moins vers 14h. Là, j'ai pris un train pour aller à la gare de Bruxelles Nord, mais en fait c'était Bruxelles Midi, donc je suis allé à la gare de Bruxelles Midi. Ensuite, j'ai eu un changement, mais Thalys était en retard, comme ça, le Thalys est toujours en retard. Bref, donc j'ai pris Thalys, là je suis arrivé à la gare de Paris Nord, et puis là on m'a dit, faut que tu prennes le métro pour aller au théâtre Trévis. J'ai pas de problème, je prends le théâtre Trévis. J'ai dit, je vais prendre la 13. Pas la 13, c'est plus dangereux, c'est plus dangereux, pas la 13. Ok, pas la 13, c'est hyper dangereux. En même temps, moi je suis belge, vous savez, j'ai pas envie de faire mon papa. Et puis après, je me suis dit, je vais prendre la 4, la 9, après j'ai changé, je me suis trompé, puis après, je me suis rendu compte que je pouvais le faire à pied. Donc je suis venu à pied, finalement. Je suis revenu au point de départ, voilà, je suis revenu au point de départ, et puis je suis allé à pied. Et donc voilà, je suis arrivé ici, je suis parti chez moi à 14h, je suis arrivé ici à 20h10, tout ça pour jouer 5 minutes. On est content, hein. C'est une histoire belge. Mais bon, voilà, et puis, mais bon, moi j'ai pas un nom facile à porter, parce que moi, donc, je m'appelle Manon Le Pomme. Alors moi, j'adore manger. Et moi, tout me fait penser à la nourriture, donc même Manon Le Pomme, moi, quand j'entends Manon Le Pomme, je m'imagine directement une pomme d'amour, vous voyez, enrobée de sucre, avec des petits granulés. En Belgique, c'est 3 euros, à Paris, c'est 15. Oh, une tarte à thym avec un filet de crème fraîche. Oh, de la compote! De la compote avec du poulet rôti et des frites. Ouais, je sais, c'est un truc belge, mais vous devriez essayer, c'est vraiment une tuerie. Et encore, j'ai de la chance. J'ai un nom de fruit. Je me suis appelé Manon Pizza Quatre Fromages. J'ose pas imaginer les dégâts. Bon, voilà, alors tel que vous me voyez là, je suis canon, ça j'ai déjà dit. Mais voilà, je suis comédienne, mais j'ai pas toujours été que comédienne. Avant, j'étais prof aussi, ouais, j'étais prof d'anglais. Vous savez comment ils m'appelaient les élèves? Mais c'est sapin. C'est drôle, hein? Les adolescents sont tellement marrants. J'ai tenu 3 ans. Si j'avais continué plus longtemps, je serais devenue complètement cinglée. Et puis, alors, l'enseignement, ça a un impact sur votre mental, mais c'est aussi un impact sur votre physique. Regardez, moi, ce que j'ai attrapé après 3 ans d'enseignement. À force d'écrire au tableau, hein. Vous savez comment on appelle ça en Belgique? Des coucou mamie. Coucou mamie, coucou mamie, coucou mamie. Oui, très bien. Alors, on va finir sur les coucou mamies, je pense. C'est intéressant. Et vous pouvez venir voir la suite. Je serai ce jeudi. J'irai en voie à pied, c'est plus simple. Au théâtre du Marais.
pour une date exceptionnelle, Manon Lepomme. Non, je n'irai pas chez le psy. Merci beaucoup, le film.